on veut dire, on voit là. Un décorum qui te rappelle sûrement quelque chose, Gaïa. Ouais. Et à certains privilégiés d'entre vous d'ailleurs, ici aussi. Merci pour la bière. Mais les coupes sont vides. Mais sont belles. Et le poisson est sorti de son aquarium. Sûrement pour sauver son petit frère qui se noyait dans une piscine. Ouais, c'est moi le petit frère. Et je suis bien content que tu sois un poisson, sinon je serais plus là. Un poisson qui sort de son aquarium, on appelle ça un poisson volant. Et ce poisson volant, eh ben c'est toi. Et ces coupes, c'est le volant qui a permis au poisson de les gagner. Oh, ces coupes que votre main ne sont pas volantes, sinon vous vous les prendriez tous dans la gueule. Surtout toi avec ta coupe au vol. Tu devrais la rattraper au vol. Tu sais que le poisson volant ne vole pas vraiment. Le poisson volant glisse à la surface de l'eau en battant de la queue à raison de 50 battements par minute. On comprend mieux. Le poisson qui glissait à la surface de l'eau. C'est poétique. Plus poétique que Gaël fait de la planche à voile. Ou Gaël fait du wakeboard. Il y a aussi eu. Gaël et Gwen font du catamaran. Ah. Et ça, il fallait que je vous raconte. C'était plus la cata que marrant. Ah, franchement, pour ceux qui étaient sur la plage et qui nous regardaient, sans doute ça devait être marrant. Ou s'il y avait eu du vent, ça aurait pu être marrant. Mais là, j'avais surtout l'air très con, je vous le dis tout de suite, quoi. J'aurais bien mis les voiles, mais il n'y avait pas de vent. Un catamaran, normalement, c'est un bateau à deux coques. Après une piture de dingue jusqu'à 5h du mat avec lui là, quand on te réveille à 7h du matin pour enfiler une combinaison toute humide, là t'as plus l'air d'une poule mouillée que d'un coq. Ouais. Alors Gaël, il a vu que j'en avais marre de faire de la voile sans vent parce que c'est lui qui m'avait amené là-bas. Alors il me dit, pas de soucis Gwen, on va faire du wakeboard. Je dis ouais, pas de soucis wakeboard. Tranquille. Comme il en avait déjà fait, je lui dis, tu sais quoi, commence, hein, je te regarde, j'analyse, j'apprends, et comme ça, tu sais, je sais comment faire. Donc, en fait, le wakeboard, c'est ça. Tu te mets, hein, dans l'eau, à la planche, et puis le bateau démarre, et tu sors de l'eau, et tu glisses, tu vois. C'était à mon tour de faire le wakeboard. J'ai regardé, je me mets sur le wakeboard, j'attrape le ballonnier. Vous savez, c'est quoi le ballonnier, truc en triangle? Mais j'attrape le ballonnier, le bateau démarre. C'est toute l'histoire de ma vie de me noyer, quoi. Je te jure. 10 tentatives, 10 échecs, pas moyen de sortir de l'eau, mais... pas moyen de sortir de l'eau. Moi je tirais le bateau, tu vois, comme un gros taureau. Ah, reviens ici. Ah, c'était l'enfer. Mais on s'est bien marré parce qu'il y avait les soirées après. Les soirées avec elle. Hein. On a fait des trucs là-bas. On vous a jamais raconté. Mais heureusement, Gaël, c'est pas une balance. Et alors, ton frère, un poisson qui n'est pas une balance, ça fait son poids dans la balance. Wow. 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 Poisson, son poids, c'est du merlan.
Non, franchement, Gaël, tu peux tout lui dire. Il est muet comme... Qui a dit donc ? Comme une carpe. Faut suivre un peu. Comme une carpe. Et là, en parlant de carpe, une expression qui te va bien, c'est carpe diem. Cueille à présent le jour, sois le moins confiant en l'avenir. Merci Wikipédia. Parce que pour moi, c'est profite de l'instant présent, quoi. Carpe diem, profite de l'instant présent. Et donc oh, je suis soufflé, un Playmobil, ça n'a pas de... Profitez de l'instant présent pour un Playmobil, je ne sais pas trop ce que c'est. Tu vois, il est pour moi, là, non. Lui, il n'arrête pas de le faire, et moi, j'ai du mal à faire ça. Alors, des fois, je n'aime pas bien. Non, mais c'est vrai, ça m'arrive, tu rigoles, mais c'est pas cool. J'ai des problèmes cardiaques. Et donc, allez jouer chez Gaël, tu vois, ça va bien. Et je lui dis, je vais pas bien. Alors, il me dit, mais ouais, c'est quoi qui est important? Et souvent, il me le répète, parce qu'on a beaucoup bu. Ah, mais ouais, c'est quoi qui est important? Je sais pas, moi, qu'est-ce qui est important? Je savais pas, je me cassais la tête, l'important. Pourtant, c'est la rose, l'important. L'important, c'est t'aimer pour te donner. Je savais pas. Mais maintenant, j'ai compris. Profite de l'instant présent. Ah. Alors je vais le faire. Je vais profiter de la chance d'avoir un frère comme toi, mec. Qui a un cœur qui aime, des bras qui donnent, des jambes qui courent pour les autres, une tête qui guérit, une épaule qui éponge mes pleurs, et surtout, un ventre qui peut boire les verres que je devrais pouvoir. Un taureau, je vais vérifier. Rancunier, possessif, jaloux, susceptible, naïf, lent. Ouais. Je suis bien un taureau. T'es bien un poisson, je vais vérifier aussi. Accueillant, adaptable, altruiste, compatissant, dévoué, imaginatif, intuitif, sensible et romantique. On les remplit ces coupes ou quoi? Très bien. Champagne.